Bonjour, la pêche au lombi est ouverte, le mois du créole aussi, et le prix de l'essence a baissé de 13 centimes. Nous sommes le 1er octobre 2015. Bienvenue dans le ZCL, dans le menu de cette quotidienne. Nous accueillerons d'abord Fabrice Saint-Louis qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Fabrice. Bonjour. Avec lui, nous parlerons handicap et intégration. Il nous témoignera de son parcours personnel. Ensuite, nous accueillerons Dominique Chingan, le président de la Ligue contre le cancer, et nous parlerons avec lui d'Octobre Rose qui commence aujourd'hui. Enfin, en dernière partie d'émission, eh bien, on laissera place à notre chronique juridique comme tous les jeudis. Avant de commencer, je vais vous dérouler les titres de ce jeudi. La pêche au lombi, c'est parti. Les amateurs peuvent se frotter les mains et vont surtout se régaler. Ce coquillage emblématique de la Caraïbe fait de nombreux adeptes. La période de la pêche court jusqu'au 31 janvier et vous le verrez, elle est très réglementée. On reviendra également sur cette agression dont a été victime un agent de Pôle emploi hier matin à Bergevin. Agression qui a entraîné la fermeture de l'agence à l'origine du coup de sang de l'usager. Un téléphone qui n'était pas en état de fonctionner au sein de l'agence est censé être à la disposition du public. Et puis le 1er octobre, marque aussi l'ouverture du mois du créole à cette occasion. Et comme un clin d'œil à ce rendez-vous au long cours, nous vous avons interrogé sur votre expression préférée en créole. C'est le micro-trottoir du jour à découvrir donc dans notre journal. Voilà, on commence donc avec notre invité Fabrice Saint-Louis. Alors je ne sais même plus comment vous présenter Fabrice, tellement vous avez de casquettes. Alors je vous laisse faire. Tout simplement, je suis Fabrice Saint-Louis. J'ai l'opportunité d'animer un magazine qui relate de l'actualité sur le handicap, Papillon Volé, sur les zones concurrentes de France Télévisions. Je suis également sportif, donc je pratique le triathlon, le trail. À haut niveau, à très haut niveau même, Fabrice, on peut le dire. On essaye, oui. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est de pouvoir exprimer avec force et courage ses capacités sportives. Donc si on arrive à être un exemple pour la jeunesse, pour ceux qui souhaitent s'intégrer d'une autre manière, même en parlant du public en situation de handicap, je me dis que ce sont de vraies opportunités à saisir et aujourd'hui de mettre en avant surtout l'éducation au centre de cette inclusion sociale, de cette inclusion sportive, de cette inclusion professionnelle. Et en termes de handicap, votre parcours est l'illustration qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir concernant l'intégration des personnes qui souffrent de handicap. Et justement, il vous arrive en ce moment une aventure qui n'est pas forcément heureuse, mais une fois de plus qui illustre très bien cette difficulté et peut-être ce regard de la société qui n'est pas toujours juste sur le handicap. Alors, on va revenir un petit peu sur les faits. Ça a commencé le 1er juillet 2014 avec la radiation des cadres de la fonction publique. Voilà. Depuis le 1er juillet 2014, je suis radié des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste. Il s'avère qu'entre-temps, j'ai effectué un recours gracieux par le biais des syndicats et je me suis heurté à une fin de non-recevoir de la part du président de l'ancienne mandature, M. Gillot. Et donc, nous avons bien entendu effectué un recours en annulation auprès du tribunal administratif. Depuis ce jour, je vous avoue qu'il est très difficile au quotidien d'accepter ce genre de situation parce que je suis avant tout un fervent défenseur des droits des personnes porteuses de handicap. Donc je fais des choix, certes militants, mais qui permettent à tout un chacun de s'approprier au quotidien le fait que nos schémas de vie ne soient pas figés. C'est-à-dire que nous savons ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne savons pas ce que nous serons demain. Donc accepter l'autre dans sa différence, c'est mieux vivre ensemble. Et en plus, c'est d'actualité. Alors justement, Fabrice, vous parlez d'une caricature d'intégration aux services départementaux dans lesquels vous travaillez, donc sous l'ancienne mandature, on le rappelle. Pourquoi caricature d'intégration? Ça veut dire que derrière une étiquette, en fait, dans les faits, ce n'était pas vraiment ça? Ben, je dirais surtout qu'au-delà des déclarations d'intention, on doit se positionner clairement en termes de gestion interne au niveau de cette collectivité. C'est-à-dire on se pose la question de savoir comment on intègre justement le handicap. Comment on l'intègre? Concrètement, tous les jours, au quotidien. Voilà, au quotidien, d'autant plus que le handicap et ses politiques qui s'y attachent
relève de la compétence du conseil départemental, ancien conseil général. C'est ce qui vous a choqué J'ai été choqué, mais on va dire que mon cas est assez particulier parce que quand j'ai été recruté, l'aptitude professionnelle de mes compétences n'était reconnue que si il y avait l'adaptation de mon poste de travail. Et il faut savoir que... Et ça a été le cas ou pas? Ça n'a pas été le cas, puisque étant donné que j'étais sur des postes dans un secteur tertiaire, donc purement administratif, j'étais amené à effectuer des tâches de manutention. Et comme moi, je suis né avec une malformation congénitale des extrémités supérieures, c'est-à-dire les mains, et des extrémités inférieures, les pieds, donc je peux vous dire qu'au quotidien, je fais preuve, pour moi, d'une force, de mental, d'un courage pour tout simplement vivre. Parce que pour moi, le plus grand courage, c'est de vivre. Mmh. Donc vous avez été persévérant dans ce poste, mais jusqu'à l'abandonner parce que l'adaptation au handicap n'était pas là. Je ne dirais pas que j'ai été persévérant. Je dirais surtout qu'ils ont insisté de manière subtile sur ma conscience professionnelle en me disant que oui, on allait adapter ton poste, sauf qu'il y avait des préconisations de la médecine préventive du travail et elles n'ont jamais vraiment été respectées. Et je pèse mes mots, parce que quand vous avez une adaptation minimaliste où on vous donne une agrafeuse électrique pour fonctionner et une souris trackball, alors qu'il y a plusieurs déclinaisons de souris trackball qui n'est pas du tout adaptée, donc vous comprenez bien que cela peut engendrer de manière transversale un désintéressement, une dévalorisation de la personne, et en l'occurrence c'est ce que je vivais. Mmh. Et je peux vous dire que l'équilibre passait tout simplement par la pratique de mes activités sportives qui me permettaient d'aller travailler avec le sourire, même si ce n'était pas évident pour moi au quotidien. Alors concrètement, Fabrice Saint-Loup, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, si vous attendez quelque chose, ou du moins en termes de procédure, et une fois de plus pour illustrer se servir de votre parcours pour... on sait que vous êtes un militant de cette cause-là. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui par rapport à cette, ce processus? Alors, précisément, aujourd'hui, le recours en annulation est en instance. Donc, nous sommes, bien entendu, dans l'attente de la convocation au tribunal administratif. Et dès que nous aurons une date, nous pourrons, bien sûr, nous expliquer au tribunal, mais également, et de manière visible, montrer que l'administration doit être un exemple. On parle d'accessibilité aujourd'hui dans les établissements publics pour les personnes porteuses de handicap. Mais quel est le premier exemple? Quel est le premier modèle à donner? Il faut que ce soit l'État, il faut que ce soit l'administration publique dans sa globalité, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale. À partir de là, nous savons une chose, c'est que la loi du 11 février 2005 rappelle que toute personne qui fait l'objet de handicap, quel qu'il soit, peut travailler professionnellement dans une administration quand il y a une reconnaissance de la part d'experts de son aptitude professionnelle. Et quand je dis de la part d'experts, c'est-à-dire que quand on lui reconnaît son aptitude professionnelle, parce qu'il y a aussi un document qui s'appelle la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous devez accompagner cette personne. Donc qu'on ne joue plus sur les mots, parce que bien souvent on nous parle d'intégration, mais l'intégration est une posture, entre guillemets, qui vous permet de croire que vous appliquez la loi, mais vous ne l'appliquez pas complètement, puisque vous n'accompagnez pas l'agent en situation de handicap. Et de ce fait, je n'ai jamais fait l'objet d'une intervention d'un expert, et précisément d'un ergonome, ce qui est quand même dramatique, et c'est un grand paradoxe. Alors justement, est-ce que vous avez des réponses aujourd'hui de la part de l'administration ou, Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, puisqu'étant donné que nous sommes en recours en annulation auprès du tribunal, donc je pense que la procédure juridique suit son cours, et pour l'instant... Les autorités compétentes, et en l'occurrence le tribunal administratif, qui pourra statuer sur ce litige et qui, je l'espère, répondra favorablement à notre demande. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi, vous êtes donc sans revenu depuis le 1er juillet 2014. Depuis le 1er juillet 2014, je suis sans revenu. Il faut savoir que j'ai été également éligible à l'allocation adulte handicapé. J'ai rempli des déclarations de ressources alors que je n'avais plus de ressources. Et en principe,
je devais bénéficier de cette allocation adulte handicapé et je ne l'ai jamais eue. Donc, on se pose la question s'il y a des insuffisances, des incompétences, quelles qu'elles soient. Hein. Mais l'essentiel, c'est que l'accumulation de tous ces dérapages, pour moi, parce que ce sont vraiment des insuffisances et une approche trop souple de situations qui sont très délicates, font que je me pose plein de questions et j'ai envie de vous dire, dans cette société en Guadeloupe, il ne faut pas croire que vous êtes ce que vous croyez être. Parce que tout ce que vous pensez s'inscrit dans votre comportement au quotidien. Moi, j'essaye de faire du bien autour de moi, j'essaye d'aider mon prochain avec mes qualités, avec mes défauts, mais ce que je veux, moi, c'est de pouvoir travailler. Et si je le veux pour moi, je le veux pour le plus grand nombre, que ces personnes soient porteuses de handicap ou qu'elles soient valides, parce que c'est un équilibre et on a besoin évidemment de payer et d'honorer ses charges, comme on a besoin d'un équilibre en construisant une famille. Donc voilà. Alors, on tourne cette page pour parler un peu de votre actualité, peut-être médiatique avec Papillon Volé, et surtout sportive, Fabrice, parce qu'on le répète, vous êtes un grand sportif devant l'éternel. Alors, quelle compétition vous préparez actuellement Alors, actuellement, nous sommes en pleine phase de préparation physique générale avec mon entraîneur, Harold Hugonin. Et il s'avère que les séances sont très difficiles, ça c'est sûr, mais nous nous donnons les moyens de nos ambitions et nous aurons à cœur début 2016 de participer au triathlon longue distance de Saint-François avec le label international. Je participerai également à quelques courses hors stade et quelques compétitions de trail, mais je serai amené à me déplacer aussi sur la France occidentale, parce que nous aurons une validation sur les qualifications pour les Jeux paralympiques de Rio. Voilà. Ok, donc Rio en ligne de mire. On espère. Malgré la situation délicate, parce que franchement, je le dis avec beaucoup de douleur et de souffrance intérieure, ma situation aura complètement remis en question ma participation aux Jeux paralympiques, parce qu'on me voit avec le sourire, je n'ai pas un centime, c'est ma mère qui m'aide au quotidien, ça je le répète tout le temps. Et si elle n'était pas à mes côtés et j'avais aussi à mes côtés des personnes qui me soutiennent mentalement, moralement, financièrement, psychologiquement, ça aurait été plus difficile. Mais vous savez, j'ai un trait de caractère qui me permet de nourrir au quotidien cette résilience, c'est-à-dire cette capacité à dépasser en permanence et les épreuves et les écueils de la vie. Avancer. Merci Fabrice pour votre témoignage. Alors peut-être des sponsors vous ont entendu et seront à vos côtés donc, pour les Jeux paralympiques et on attend éventuellement une réponse de l'administration aux questions dans votre dossier. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec moi deux minutes. C'est moi qui vous remercie et comme bien entendu vous l'aviez dit si bien tout à l'heure, le mois du créole commence aujourd'hui. En cas d'isote, merci pour tout. Surtout, nous rachemberons nous pas amoli. Et en français, tout ce qui ne nous tue pas nous rendra plus fort. Merci. Merci Fabrice, reste avec nous. Et puis, on le disait, la pêche au lombi, c'est parti. Les amateurs peuvent se frotter les mains et vont surtout se régaler. Ce coquillage emblématique de la Caraïbe fait de nombreux adeptes. La période de pêche court jusqu'au 31 janvier et elle est d'ailleurs très réglementée. Il faut savoir qu'elle est réservée aux pêcheurs professionnels déclarés et elle ne peut pas s'effectuer au-delà de 25 mètres de fond et l'utilisation de tout équipement respiratoire est interdit. Charlie Dagonia a couvert pour nous ce coup d'envoi à l'Orisisque avec Alain Hannibal. Voyons leurs images. Au mois d'octobre, là, le 1er octobre, et là, moi, j'ai pêché l'ambi à Ressen. À Ressen, c'est des profondeurs entre 30 mètres jusqu'à 40 mètres. Et bon, au Savambitain, allez, l'ambi là, qui a dit tout ça? L'ambi là, plutôt. Là, il faut nous chercher. Déjà, à la base, il faut nous chercher. Il faut faire rare au Tibouin. Il faut nous chercher. Et c'est là que nous trouver. Une fois que nous trouvons l'ambi là, en débat l'ambi, nous pouvons cibler. On a pêché entre un café le sud, c'est-à-dire au large de Sainte-Anne, Saint-François, et un café ici, le nord aussi. On a fait les deux côtés, nord et sud.
Nous avons été réglementaires parce que l'Afrique a fait minimum 250 grammes. Mais on va faire les coquilles, quoi, voyez, parce que si coquille a pour bien former, ça veut dire que l'ambilla pour ni poil. Et à part de ça, bon, après ça, on a plusieurs variétés de l'ambi aussi. Hein. On a de l'ambi qui est l'ambi roche, c'est l'ambi par hango aussi, qui est en taille. Nous ne pouvons pas pêcher non plus. Mais nous ne pouvons pas prendre ces gentils l'ambi chapeau là. Parce que ces gentils l'ambi chapeau, c'est qui a venu, gougou l'ambi là. Alors du coup, réglementation nous, ça dépend de la grosse coquille là. Et nous pouvons déterminer quoi nous. Moi personnellement, quand je suis parti à 5h du matin, le temps pour moi est dans le fond, il y a 6h. À la levée du jour, on a commencé à faire l'ambi en moins et on l'a pour toute la journée, on est rentré vers 4h de l'après-midi. Mais l'ambi là, il y a un durée de vie assez important quand même, elle était là. Hein. 100 ans de l'eau là, il a été 3 jours. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il faut toujours humidifier et puis ça rester en forme. Ça arrive nous que il y a descendu chez nous, comme toutes les années, il y a venu nous visiter nous pour regarder est-ce que ça nous a pêché là dans les normes et est-ce que l'ambi là, c'est un ambi qui est de bonne qualité. Voilà, et puis sachez qu'en ce 1er octobre, les prix des carburants sont en baisse à la pompe depuis ce matin. Le samplon perd 13 centimes et le gazole 4 centimes par rapport à septembre 2015. Pour les carburants routiers, les prix maximum sont donc fixés à 1,35 € pour le samplon et 1,13 € le litre. Pour le gazole, à titre de comparaison, en France métropolitaine, le prix moyen constaté est de 1,30 € pour le super samplon et de 1,10 € pour le gazole. Bref, il y a de quoi se réjouir, mais pas trop quand même. Voilà donc pour cette baisse des prix en ce 1er octobre. Voilà, on accueille à présent Monsieur Dominique Chingan. Il est président de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis heureux d'être là pour parler donc du cancer d'Octobre Rose. Octobre Rose, oui, qui va se décliner. Donc, c'est un rendez-vous au long cours. Il y a des rendez-vous durant tout ce mois-ci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels vont être les jalons de cet Octobre Rose ? Alors d'abord, c'est un rendez-vous annuel et national où en octobre, partout en France, on va parler du cancer du sein. Et donc, en Guadeloupe, on n'est pas en reste pour cela. Et on revient régulièrement sur ce cancer du sein pour parler de dépistage. Mais on n'en fait pas suffisamment parce que les gens participent au dépistage, mais pas suffisamment à nos goûts. Alors ça veut dire quoi? Ce sont parce qu'on n'est pas assez équipé, parce que les femmes elles-mêmes ne font pas la démarche, elles ne sont pas assez sensibilisées par les médias, par les médecins. Alors c'est notre travail de sensibilisation, hein, justement, mais c'est parce que les femmes n'y vont pas et spontanément. Et il faut savoir que c'est 9 cancers sur 10 qui peuvent guérir si on fait un dépistage précoce. Alors dépistage précoce, ça veut dire Eh bien écoutez, c'est d'abord répondre à l'invitation de la GUADEC. De 50 à 74 ans, on vous invite à venir faire le dépistage organisé par l'État. Vous y allez et on vous trouve un petit nodule, on trouve un petit cancer naissant. Et on prend en charge. Et on prend en charge et vous avez 9 chances sur 10 d'être guéri. Tandis que si vous ne participez pas à cette campagne de prévention, eh bien, si on trouve ce cancer tardivement, eh bien, c'est une mutilation, on va vous enlever le sein, c'est une chimiothérapie, c'est des effets secondaires et qui va vous perturber votre vie, c'est une vie sociale qui va changer totalement. Donc, nous recommandons aux femmes de Guadeloupe de répondre à ces invitations. Mais en dehors de ces invitations, il n'y a pas que le dépistage organisé et par la GUADEC. Vous le savez, en Guadeloupe également, les jeunes femmes développent leur cancer plus tôt. Mais cela n'avait pas dit qu'il y a davantage de cancers du sein en Guadeloupe, mais plutôt les femmes guadeloupéennes. Plus précoces. Hein. Plus précoces. Et donc, à ce moment-là, il faut que ces femmes-là se prennent en charge, fassent donc des palpations. L'initiative personnelle. Personnelle, aussi. Palpations, se regarder dans un miroir, regarder s'il y a une déformation quelconque, alerter tout de suite leur médecin. Donc, c'est à eux de se prendre en charge. Et vous le savez, nous avions demandé, plus exactement la GUADEC avait demandé que le dépistage soit organisé plus tôt en Guadeloupe, à l'INCa, et ça n'a pas été fait. Mais si vous avez entendu la déclaration du ministre de la Santé le 29 septembre dernier, c'est-à-dire avant-hier, donc il a été dit que la totalité, la prise en charge des dépistages se feront à 100%
pour toutes les personnes et qui en aura le besoin. Et donc, ces besoins-là, je pense qu'il y a un créneau pour nos femmes, nos jeunes femmes guadeloupéennes, parce qu'en fait, si ce sont des personnes à risque, parce qu'il y a une tante, parce qu'il y a une... la maman a été atteinte du cancer, si le médecin peut établir qu'il s'agit en fait d'une famille à risque, eh bien ces personnes-là pourront très facilement rentrer dans ce dispositif. Donc on n'hésite pas dépistage, quoi. Il ne faut pas tergiverser, c'est le rempart, c'est le remède, c'est pour pouvoir éviter le cancer du sein. Beaucoup, la recherche a progressé énormément. Il n'y a pas qu'un cancer du sein, il y en a plusieurs. Mais par contre, et quel que soit le type de cancer du sein, c'est le cancer qui tue le plus également. Il faut qu'on le sache. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est pris suffisamment tôt, on peut guérir du cancer du sein à 9 chances sur 10. Oui. Ça, c'est très important comme message. Je pense que c'est un chiffre qu'il faut garder en tête. Absolument. Alors aujourd'hui, nous avons près de, près de 11 500 décès en France. Et donc, en Guadeloupe, c'est une cinquantaine, d'après les chiffres que j'ai entendus. Mais on peut les éviter, ces cancers-là. Et c'est surtout, en général, ces jeunes femmes qui meurent très tôt avec ce cancer du sein. Donc, il faut nécessairement qu'ils puissent se faire dépister et se prendre en charge plus rapidement. Alors, le message est ultra clair, en tout cas. Donc, pour Octobre Rose, comment ça va se décliner un petit peu et comment on va pouvoir rejoindre un peu ce mouvement Alors, il y a plusieurs mouvements. Alors, d'abord, on est présent sur le terrain. Alors, d'abord, notre mission... La Ligue contre le cancer, le comité Guadeloupe, a voulu être plus près de la population. Il y a 2 ans de cela, on a voulu ouvrir des espaces ligues sur tout le territoire. Notamment, on a un espace ligue à Magalante, l'autre à Saint-Martin. Et là, on veut à tout prix qu'il y ait un espace ligue à Basse-Terre. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est ça d'abord pour pouvoir être près de la population, les informer. Nos missions restent d'aider la recherche, mais également... et informer la population, prévenir, faire la promotion du dépistage. Notre troisième mission, c'est venir en aide aux malades et leurs proches. Et notre quatrième mission est celui de faire un plaidoyer pour défendre la cause des personnes atteintes du cancer. Donc, dans cette mission qui est celui de prévenir, nous allons donc organiser un certain nombre de manifestations au mois d'octobre. Bien évidemment, malgré le caractère festif, il ne faut pas retenir que cela. Nous faisons ça pour pouvoir atteindre les personnes les plus vulnérables. Il faut savoir que faire une Zumba, faire une marche, faire une course et faire des VTT, ces choses-là attirent le grand public. Et à ce moment-là, il y aura il y aura des stands sur lesquels la Ligue va donner des informations claires, nettes. Nous avons des plaquettes que nous allons pouvoir donner aux gens pour qu'ils sachent ce que c'est que le cancer du sein, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir faire ce dépistage. Nous allons leur donner une information. Nous nous sommes rendus compte que c'est dans ces quartiers difficiles, ces personnes vulnérables, que le cancer fait le plus de dégâts. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Voilà, les gens informés et donc prennent en charge leur santé. Donc nous sommes là pour cela et donc on n'a pas atteint notre niveau d'impact sur cette population. C'est pour ces raisons que nous reviendrons chaque année à Octobre Rose pour en parler dans la population. Alors, c'est quoi les manifestations ? C'est d'abord, dès ce samedi, nous sommes à Saint-Martin. Et donc le 10 octobre, nous serons à la médiathèque de Saint-Claude. Le lendemain 11, nous avons notre grande manifestation avec la ville des Abîmes, donc à Bois-Ripaud. Nous aurons une course de 10 km, une marche de 5 km, du VTT, de la Zumba, le village santé. Et donc j'invite toute la population à venir. Alors Fabrice est passé sur le plateau il y a quelques instants. Je vais inviter Fabrice à venir courir les 10 km. Ah bah il dit oui, il sera là oui. En rose et avec plaisir. Avec plaisir. Et donc je vais lui demander de faire venir également ses compatriotes, ceux qui marchent, ceux qui courent, parce qu'il y a des coureurs. Et donc ça, c'est festif, mais c'est en même temps, et retenez quelque chose de simple, pourquoi nous prenons ces options-là, c'est simplement parce que le cancer peut reculer également lorsqu'on mange sainement, donc la diététique et donc l'alimentation. Nous faisons la promotion, il y aura ça sur le stand d'ailleurs, et avec une diététicienne, mais également on dit que 30 à 40% de cancer en moins lorsqu'on fait du sport. Et lorsqu'on a déjà le cancer, c'est 30 à 40% de récidive en moins. Donc, voyez-vous, et tout à l'heure, je ne vous ai pas donné un chiffre, sur les gens qui font le dépistage, c'est 40% de cancer en moins.
Donc, c'est très important de venir sous nos stands, de donner votre concours. Parce qu'en fait, ce jour-là, on va parler de cancer, de tous les cancers, bien évidemment, si vous voulez une information sur les autres pathologies. C'est pas exclusif. Mais c'est un jour clé pour pouvoir parler de cette pathologie. Donc, venez nombreux. Et je vous invite, alors, je dis les abîmes, mais le 11, le 16, on sera à Marie-Galante avec une diététicienne et nous serons également dans le cadre de la Semaine Bleue. On va participer avec le département. Nous serons, et il y aura une course, il y aura les lâchers de ballons. Ensuite, nous serons le 30, nous serons à Basse-Terre. Le 31, il y aura un match de la Ligue du championnat de division d'honneur, le CSM contre la Juventus, où le CSM va nous reverser une partie de sa recette et nous allons faire avant le match, à la mi-temps, faire passer des messages pour que les personnes sachent qu'il faut leur dire à leurs femmes, parce que c'est souvent des hommes qui vont au match, peu importe, mais dire à leurs femmes, à leurs compagnes de venir et donc de faire leur dépistage. Oui, parce que tout le monde est concerné aussi, ça il faut pas l'oublier. Absolument. Et nous avons également, ça, je tiens à le dire, des instituts de beauté qui vont faire des opérations pour nous reverser. On a besoin d'argent également, on a besoin de bénévoles, donc on va former des bénévoles au mois de novembre et donc on va former des bénévoles pour l'ensemble de la région, pour la Guyane, pour la Martinique et pour la Guadeloupe. Non, je voudrais avoir davantage de bénévoles pour être plus près des malades, c'est-à-dire dans les lieux où on pratique l'oncologie, c'est-à-dire à Basse-Terre, au CHBT, mais au CHU de Pointe-à-Pitre, mais aux Eaux Claires, mais également à la clinique Pitard où on fait des soins palliatifs. Ces endroits-là, on y sera. D'ailleurs, on sera donc au CMS de Basse-Terre. Le 30, dans la matinée, on tiendra un stand pour les malades ou pour les gens qui visiteront. Merci, Monsieur Chingon. En tout cas, le message est bien passé. Octobre Rose, ça commence bien là, en ce mois d'octobre, et on vous suivra durant ce mois. Merci d'être venu avec vos explications et votre sourire aussi. Je vous remercie. On prend une courte page de publicité. On revient tout de suite avec l'information. Voilà, 13h04 et nous sommes de retour donc dans le ZCL et notre chronique juridique comme chaque jeudi avec Franz Calvert et Maritza Bernier. Aujourd'hui, c'est une explication salutaire et toujours bienvenue de termes juridiques. Bonjour à vous deux d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, c'est on entend parler souvent dans le langage courant d'actes sous sein privé et d'actes authentiques. Alors, petite explication de texte, Maritza, que signifient ces deux termes et qu'est-ce qui les différencie ? L'acte sous sein privé, en réalité sous signature privée, est un acte qui va être signé entre deux personnes privées sans l'intervention d'un officier public, c'est-à-dire sans l'intervention d'un notaire ou d'un huissier de justice. Et l'acte authentique, puisqu'on les oppose, hein, l'acte authentique est un acte qui va être reçu ou rédigé par un officier public, c'est-à-dire le notaire, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une donation. Et la différence entre ces deux catégories d'actes est une différence du point de vue de la valeur juridique, puisque là, l'acte authentique est un acte qui fait froid jusqu'à inscription de faux. C'est-à-dire que le fait qu'il ait été reçu par un officier public lui donne force exécutoire et fait que cet acte-là sera plus difficilement contestable que l'acte sous sein privé qui, lui, effectivement, va faire foi jusqu'à preuve contraire. Alors, question suivante, on dit parfois qu'un tel est marié sous contrat, Franz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire tout simplement qu'il existe un contrat. Qu'il existe un contrat entre eux, ce n'est pas la communauté légale, mais il y a un contrat, donc sous le régime de la séparation de biens en réalité. Alors, ensuite, pour faire un petit peu la distinction, c'est que la justice est parfois opaque pour les gens qui ne sont pas forcément initiés. Quelle différence y a-t-il entre un juge, un avocat, un notaire et un huissier de justice ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être sur le rôle de chacun, effectivement. Le juge. Le juge d'abord. Juge. C'est-à-dire que c'est lui qui rend les jugements. L'avocat, lui, assure la défense. Qui en défense, dit-on, ou qui en demande, mais défend les intérêts de quelqu'un.
Donc c'est une fonction, un rôle de défense. Tandis que le notaire, lui, c'est comme l'a indiqué tout à l'heure Maître Bernier, lui, il rédige des actes qui ont, et il les conserve, des actes très importants, puisque ces actes sont, dit-on, revêtus de la formule exécutoire. Cela veut dire qu'on peut les mettre à exécution tout de suite, et il les garde. Tandis que l'huissier de justice, lui, son rôle, c'est de constater des choses. Vous avez des, il a été fait des dégâts chez vous, votre bien a été endommagé, le huissier vient et dresse un constat. Ou alors vous voulez appeler quelqu'un au tribunal, mais c'est l'huissier qui va porter le papier en disant délivrer une citation ou délivrer une assignation. Et l'huissier va également rédiger certains actes, parce qu'il est également officier public. Mais enfin, son rôle, c'est fondamentalement de porter les papiers et de constater. Alors parfois, on entend concernant les avocats qui sont commis d'office. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, simplement, ça signifie qu'ils vont être payés par l'État et qu'ils vont être désignés pour les personnes qui, en principe, ne peuvent pas exposer des frais, des honoraires d'avocat. Et c'est simplement ça, hein. Quand on vous dit un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office, c'est simplement que ce n'est pas un avocat qui va être en principe choisi par le client, mais simplement désigné dans des procédures où la représentation est obligatoire ou demandée par une personne qui remplit les conditions. Alors il y a aussi le greffier, alors quel est son rôle ? Alors, le greffier, on parle souvent de secrétaire greffier. En réalité, c'est un fonctionnaire qui va assister le magistrat avec qui il travaille et qui va être chargé de tâches matérielles, par exemple, rédiger des actes, faire des copies, conserver les archives. Voilà un petit peu le rôle du greffier. Et il faut savoir qu'à l'audience, comme le juge et comme l'avocat, eh bien, le greffier va porter la robe à l'audience. Alors je crois que c'est un statut qui a parfois fait débat, le procureur de la République dans son rôle dans certaines affaires. Mais pourquoi débat ? En réalité, vous savez, quand une infraction est commise, par exemple, quelqu'un a blessé une autre personne, il y a eu un vol, un meurtre, un assassinat, quelconque. Mais il y a le procureur de la République, c'est un magistrat de type particulier. Lui, il représente la société. Et la loi estime que lorsqu'il a été commis une infraction, par exemple un vol, c'est que l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité de la société, a été troublée. Et le rôle du procureur de la République, c'est précisément de représenter l'État, de représenter la société dans ces actes-là. Et donc, il donne des ordres aux policiers, par exemple, et aux gendarmes, pour rechercher, déterminer les infractions, rechercher les auteurs de ces infractions. Et c'est lui qui va décider s'il poursuit ou pas. C'est-à-dire si la personnalité va ou non être traduite au tribunal. Et à l'audience, lui, le procureur, il a la particularité de se mettre debout. Les autres sont assis, mais lui, il va être debout. Il va prendre ce qu'on appelle des réquisitions. Il va requérir une peine. Par exemple, un vol, il va dire 2 mois, 5 mois, 1 mois, et 10 mois, 2 ans, 5 ans de prison. Mais il ne rend pas les décisions, parce que nous venons de dire que c'était le juge qui rendait les décisions. Donc le procureur de la République poursuit au nom de la société et requiert une peine au nom de la société qui a été troublée de sa sérénité pour la commission de l'infraction. Alors, je parlais de débat, peut-être ce n'était pas le terme approprié, mais c'est vrai que dans certaines affaires médiatisées, parfois on a parlé d'une investigation à charge, à décharge, et que ce n'était parfois pas très clair. C'est ce point qui a fait débat parfois. L'autre jour, l'actualité ? Non, en général. Des affaires médiatisées, même en France. C'est-à-dire que... Je me rappelle du procès d'Outreau, aussi, on en a parlé beaucoup, du procureur de la République, qui était un peu dans le feu des médias et de l'actualité. J'ai compris. Une enquête, dit-on, est menée à charge et à décharge. À charge, c'est-à-dire qu'on va essayer de réunir un certain nombre d'indices, un certain nombre d'éléments qui confondent la personne arrêtée. Et à décharge, cela veut dire qu'on va également, et dans le même mouvement, dans la même action, en tout cas dans le même mouvement, essayer également de réunir des éléments qui, en quelque sorte,
qui vont en faveur de la personnalité. Donc, dans les deux sens. Et le procureur de la République, en principe, n'a pas de parti pris. Il donne des ordres et les policiers s'exécutent objectivement. Alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu l'audience type ? Oui, c'est-à-dire, vous savez, c'est intéressant parce que quand on n'a pas l'habitude du prétoire, on n'a pas l'habitude du tribunal, on vient à une audience, dans une salle d'audience, on ne sait pas. C'est très protocolaire aussi. Il y a des mouvements, voilà, c'est très protocolaire. Vous avez, et en réalité, il y a trois parties. Il y a le public, des personnes qui ont une affaire, ou alors des personnes qui simplement sont venues, qui sont intéressées par la chose judiciaire, et qui viennent constater. Et ni en deuxième partie, c'est des avocats. Ils sont là pour défendre client Ayo. Et ni en troisième partie, c'est les juges. Et dans ces juges-là, on est, parce qu'on voit que les juges assis, les juges du siège, c'est eux qui rendent une décision-là. En général, il y aura trois. Souvent, certaines affaires, il peut être un seul. Il va dire qu'il y a un juge unique. Mais en général, il y aura trois. Et à droite, à tribunal-là, à ces juges-là, ça, ni le procureur de la République. Celui dont on vient de parler. Dont on vient de parler. Et à gauche, à tribunal-là, ni un greffier. Qui, comme je dis tout à l'heure, relaye, c'est en quelque sorte oreilles aisées à ces juges-là. C'est eux qui attendent et c'est eux qui a écrit tout de suite. Tout ça qui a passé dans l'audience-là, il a écrit. Et j'imagine qu'en tant qu'avocat, justement, vous briefez, entre guillemets, vos clients avant une audience pour leur expliquer aussi comment ça va se passer. Ah, ça oui, fait oui. partie de votre. Ah oui, vous dites, il y a qui ça qui est passé, il y a qui pose telle question, il y a qui répond tel genre. T'as là qu'il a là ces juges-là, t'as là ce greffier-là, pas inquiété, enfin bref. Et nous expliquer que juge-là, président du tribunal-là, c'est qui ne sait quoi, qui est la police de l'audience. Ça veut dire c'est qui comme dit l'ordre, en disant là. Le président qui dit, éteins pas au tabac aux autres. Arrêtez de parler là. Fais attention, fais silence, fais ikeni la police de l'audience. Donc c'est qui met un maillot dans l'audience-là. Alors, on entend parfois parler d'un procès à huis clos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et dans quel cas ça intervient ? Alors, en principe, l'audience pénale, elle est publique. Sauf que, dans certains cas, il est prévu que le tribunal puisse estimer que la publicité des débats puisse nuire à l'ordre public ou porter atteinte à la dignité d'une personne ou encore porter atteinte à un secret professionnel. Dans ce cas, le tribunal va décider par un jugement motivé que l'affaire sera jugée à huis clos. C'est également le cas en matière de viol, par exemple, où la victime peut en faire la demande, peut demander à ce que l'affaire soit jugée à huis clos, c'est-à-dire sans la présence du public. Il faut savoir que lorsque la demande est faite par la partie civile, par la victime, le huis clos est de droit. Lorsqu'il est fait par une autre partie, c'est-à-dire l'accusé ou le prévenu, le huis clos est accordé dès lors que la victime ne s'y oppose pas. Le huis clos pouvant être total, c'est-à-dire qu'il y a uniquement les parties, victimes, prévenues, ou il peut être partiel. Dans ces cas-là, on admet que la presse soit là et qu'elle fasse son travail, à charge pour elle de modifier les noms lors de la retranscription. Voilà. En tout cas, c'est très clair. Merci à vous deux pour ces explications. La semaine prochaine, vous avez déjà une idée du thème de la chronique où on part sur un lexique comme ça. C'est bien aussi, je trouve. Je crois que ça répond à la demande un peu des téléspectateurs. Donc, on va essayer de varier un coup, un thème bien détaillé et puis la fois d'après, des questions comme aujourd'hui. Merci, voilà. Merci à vous deux. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir continuer les infos, si les sujets sont visibles ou pas. On fait signe. Non, non, malheureusement, on a un problème technique. Donc, la suite des sujets, ce sera dans le journal télévisé de ce soir à 18h30. Merci de nous avoir suivis. À demain dans le ZCL à partir de 12h15. Bon après-midi.